partage. Quelques, voilà. Il parle des démons anciens, quelques sujets très contemporains. Parce que si Macron veut prendre la main sur la paix... D'ailleurs, on pourrait dire Emmanuel Macron. Hein, je le fais juste une parenthèse. Si Emmanuel Macron, si le président de la République veut prendre la main, veut prendre la main sur des dossiers brûlants aujourd'hui pour construire la paix et le droit international, allons-y. La France est engagée au Yémen. Personne ne parle de cette guerre. Ça, c'est vrai. C'est plus, tout à fait c'est vrai. Plus de milliers, 10 000 morts aujourd'hui. Il y a un blocus sur le port. Les observateurs internationaux de l'ONU nous disent qu'il y a un risque de famine qui peuvent toucher 13 millions de Yéménites. D'accord. Et c'est des frégates françaises, 2,6 milliards de ventes d'armes à la coalition qui est aujourd'hui engagée dans ce conflit. Première chose. Aujourd'hui, ça canarde à Gaza. Est-ce que le droit international, les résolutions de l'ONU vont enfin être appliquées concernant la Palestine ou pas? Est-ce que le gouvernement israélien va pouvoir continuer à agir en toute impunité dans cette partie du monde? Les Palestiniens, ils font rien. Quelle initiative? Attendez, arrêtez avec toute impunité, parce que ça mérite aussi quelques précisions qu'on ne peut pas donner là. Je termine. Gaza est une prison. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, quand on parle de la paix ou pas. Alors, c'est pas exactement ce qu'a dit Erdogan, je continue. C'est pas possible, vous êtes tous. Il y a un truc ce matin. Erdogan continue. Je termine sur des dossiers précis. Mais vous terminez, vous êtes tous en meeting. Erdogan. Je veux dire, moi je ne vais plus inviter d'hommes politiques, vous êtes en meeting ce matin, vous n'êtes pas là pour commenter, vous n'êtes pas là pour commenter ou mettre en perspective ce qu'a dit Emmanuel Macron, vous êtes là pour faire vos meetings. Donc c'est pas bien, Olivier Dartigolle. Mais non, vous pourrissez le débat, vous pourrissez notre débat. Est-ce qu'Erdogan va continuer à massacrer les soldats kurdes qui étaient les soldats les plus courageux exposés face à Daesh? Est-ce que sur ces dossiers concrets, je pourrais en donner d'autres? On avance ou pas? Est-ce qu'il y a des initiatives françaises ou pas? Il y a un accord international de non-prolifération des armes nucléaires. On y va, la France, ou pas? Ça, Maurice Safran. Ah, vous me mettez en colère.